Mon maman a pris une confusion, il finit faire beaucoup Khatm al-Quran de sa vie. Merci, il puis envie de connaître qui Allah peut dire. Mais il n'y a pas qu'un Quran, il n'y a pas qu'un anglais, ni qu'un français. Alors, qui nous besoin faire? En tant qu'enfant, ou hak, ou maman, ou qui, ou au moins même un ayat pas sous cette traduction, ou al djali. Parce que maman, il a un bon raisonnement. Il a envie de connaître ce créateur qui finit djali. Après toute sa lecture Quran qu'il vient de faire là, il puis envie de connaître qui ce créateur finit djali. Et c'est hak le ou qui ou donne ou maman sa droit là, qui au moins 5 minutes ou bien 10 minutes par jour, où on récite un ayat Quran et où on fait ce, ou veut dire, où on lit cette traduction, et pour qui au maman, Inch'Allah, il bénéficie avec ça. Inch'Allah. Et est-ce qui, deuxième partie de sa question, est-ce qu'il, quand on finit faire Khatm al-Quran, est-ce qu'il est obligatoire pour lire le Quran tous les jours? Il n'est pas obligatoire pour lire le Quran tous les jours, mais seulement il est recommandé qu'un dimon, il fait Khatm al-Quran ou bien il n'est pas venu faire Khatm al-Quran, il est recommandé que tous les jours un musulman lit le Quran, Inch'Allah, parce qu'il y en a beaucoup de bénéfices là-dedans pour ce dunya, pour ce akhirat.